Salut tout le monde, ici Yakipon pour une nouvelle rotation des champions gratuits du jeu League of Legends. Et on ne s'arrête pas de suite, on va avec Annie, enfant des ténèbres. Annie est un très bon mid et aussi un très bon support. Pourquoi? Parce que c'est simple, elle fait ultra méga mal en mage et elle a un stun mais des plus insupportables. De plus, son T-burst fait ultra mal, donc n'hésitez pas à faire beaucoup de sorts en même temps. Caitlyn, shérif de Piltover. Caitlyn est un très bon AD carry, surtout pour les noobs parce qu'elle a une portée très grande et ça peut favoriser le tuage des creeps, mais aussi le fait de pouvoir foutre des tartes à l'adversaire sans que lui ne puisse vous les rendre. Cassiopeia, étreinte du serpent. Cassiopeia se joue en tant que mid. J'aime beaucoup la nouvelle Cassiopeia parce que plus elle fait d'empoisonnement et elle tue les gens avec un empoisonnement, plus elle a de stack et plus elle a de stack, plus c'est cool. Donc voilà, Cassiopeia ça fait très mal, n'hésitez pas à faire votre ulti en vous retournant en mode oh non, je suis une fille fragile. Vous vous retournez, vous baisez l'ennemi et vous l'éclatez avec vos sorts. Lucianne, purificateur. Lucianne se joue en tant qu'AD carry. J'aime bien Lucianne parce qu'il a de la mobilité, hein, parce que généralement les AD carry, il leur faut de la mobilité pour esquiver les ganks et tout ça, mais il fait juste ultra mal grâce à sa passive. N'oubliez pas que si vous tuez un ennemi avec le premier tir de votre passive, le deuxième tir part sur une autre cible aléatoire, je crois, ou la plus proche de vous. Je sais plus, mais en tout cas, Lucian, ça fait très mal. Shaco, bouffon des ténèbres. Shaco n'est pas très présent en ce moment, et puis depuis un sacré moment d'ailleurs, vu que, il n'est pas inutile, mais c'est assez difficile. C'est-à-dire que si vous ne faites pas de counter jungle, Shaco devient inutile, donc vous n'avez pas de premier sang, vous n'avez pas forcément de rouge ou de bleu à bon temps, et c'est la merde. Voilà, tout simplement. Singed, chimiste fou. Singed se joue en tant que top tank et ultra méga tank. D'ailleurs, le nouveau Singed, ça date, hein, le nouveau, mais j'aime bien dire le nouveau parce que c'est ses sorts qui ont changé et peut-être que certains ne sont pas au courant parce qu'ils reprennent le jeu comme maintenant. Mais bref, le nouveau Singed est cool, mais vraiment cool, et il tank de plus en plus. Donc n'oubliez pas, prenez un peu de santé, de l'armure ou de la résistance magique en fonction de l'équipe adverse. Et voilà, vous trollez. Talon, l'âme des ténèbres. Talon se joue en tant que mid, mais plus depuis un moment, vu que ça s'est fait complètement nerf, et que depuis, il est devenu un peu inutile. Bon, ce qui est bien avec Talon, c'est que son ulti le fait devenir invisible, et il vous faudra vous placer derrière votre cible, pour que toutes les lames, quand elles reviendront sur vous, lui déchirent la tronche. En plus, Talon peut se téléporter sur un ennemi, et lui faire une espèce de kamehameha de lame dans la tronche, tellement ça fait mal. Trundle, roi des trolls. Trundle se joue en tant que top. J'aime bien Trundle parce que il peut mordre les gens déjà de 1, se régène, mais aussi son ulti peut voler de l'armure, je crois, hein, si c'est toujours d'actualité, à l'ennemi et ensuite lui foutre une grosse race à travers la tête. Shinzo, sénéchal de démasquage. Le chinois se joue en tant que top ou en tant que jungler. Il a un vol de vie passif, ce qui en fait un allié de pair en fait. C'est la jungle devient très facile et le top aussi en fait, parce que vous régène sur les creeps tranquille. Shinzo peut complètement exploser les gens et isoler les gens aussi grâce à son ulti. Donc faites attention si vous vous retrouvez à plusieurs contre Shinzo. Zyra, Dame Ronce. Zyra se joue en tant que mid ou en tant que support. Et j'aime bien Zyra parce qu'elle fait ultra méga mal en fait. Ce qui est... je dis que tout le monde fait méga mal, mais ça dépend de comment vous le jouez en fait. Sauf Shaco. Shaco il fait pas trop de dégâts, sauf au début de jeu en fait. Mais bref, on s'en fout. On n'est pas sur Shaco, on est sur Zyra. Zyra avec ses plantes peut même soloter des dragons. Enfin, c'est bien fait quoi. Donc n'hésitez pas à bien lire vos sorts, à ce que fait vos plantes, et surtout posez des graines, posez-les. Voilà, je vous fais un gros bisou, je vous dis peut-être à la semaine prochaine. Sur ce, restez cool, hein, restez tranquille sur les champs de justice, nous on vous regarde, et si vous faites mal les choses, on vous reporte, hein, comme tout le monde. Allez, de gros bisous, à la prochaine, ciao.